Thank you. The president, please be seated. Veuillez vous asseoir. The chamber is now in session. L'audience est ouverte. Next, we will hear the reply from the three defense teams. Ce matin, la chambre a alloué du temps to the responses by la the co-prosecutors de la and the aux réponses de l'accusation co-lawyers. Et des parties civiles à leurs objections. Yesterday, the chamber already informs the defense teams that all the three teams la chambre are allocated au one hour. De défense, qu'elle dispose d'une heure. And the defense teams shall divide the time les trois équipes se among themselves. Otherwise, the chamber will allocate for them sinon, la chambre each 20 minutes. The defense team for Nguyen-Chia will take the floor first. L'équipe de défense de Nguyen-Chia a la parole en premier. Thank you, Your Honor. Good morning, everyone. Je vous remercie, I will move as quickly as possible this morning. I've agreed to donate the balance of our time to the Yangtze team, so I expect to take between 10 and 15 minutes, certainly, hopefully not more than that. So I'll begin. I have 10 points in total to make, two with respect to the remarks of the national co-prosecutor, two general points which he made at the start of his submissions on Tuesday. First of all, we submit that all of the objections that we raised on Monday fall squarely under Rule 87, in particular either Rule 87.3a, relating to irrelevant or repetitious material, or Rule 87.3d, applying to evidence not allowed under the law. Second point, with respect to the volume of material submitted by the OCP, we simply submit that all parties, as well as the Chamber, not just the defense, are prejudiced by a flood of extraneous documentary material. Moving on to the remarks of the international co-prosecutors, I have 8 points. C'est-à-dire que ce volume, my first point relates to the severance order. À leurs intérêts. Ensuite, j'aimerais parler maintenant de to be clear, we did not object on relevant grounds to the various topics catalogued by motif de pertinence, on Tuesday, rather. We, of course, accept that the severance order retains those topics that he mentioned. Rather, we have only objected to those documents related to the implementation of policies other than the alleged population transfer phases 1 and 2. Such documents are clearly irrelevant to the first mini-trial. And we stand by our clear endorsement of the severance order. It indeed remains the most sensible decision to emerge from the ECCC. However, its terms should not be circumvented through perhaps facially attractive, though ultimately unconvincing, arguments regarding joint criminal enterprise. While there very well may have been some interplay of policies during the UK regime, and here I'm making reference to one of the documents relied upon by the prosecution, that was D199-2.35. It does not follow that a detailed examination of the implementation of those policies is required, as suggested by the large number of documents semble suggérer le grand nombre de documents que l'on trouve sur les différentes annexes de la liste. It is not enough. It is simply not enough to merely invoke joint criminal enterprise as some kind of magic words, as prosecutors around the world tend to do when faced with challenges to the relevance of their evidence. JCE is simply a mode of liability, one of many, I might add, and it is as broad or as limited as the terms of the particular indictment make it. And in this case, the severance order and the resulting modified indictment are clear. L'acte d'accusation, we certainly do not wish to submit on Tuesday to tie the prosecution's modifié. Hands in any way. Bien sûr menoter rather, we'd like to see the OCP liberated from the terms of its unmanageable introductory submission and the equally unwieldy closing order in its original state prior to the excisions de la rigidité made de son by the severance order. Again, the key point here
is that the accused needs to know with maximum precision the size and scope of the case against him. Excuse me. In this regard, Mr. Abdelhak noted on Tuesday that the defense had not objected to the prosecution's list of witnesses on grounds of relevance similar to those that we raised on Monday. However, I would like to note that we have clearly and often objected to witness testimony in court when it threatened to stray into areas dealing with the implementation of policies not relevant to the first mini-trial, and we will continue to do that. Finally, on this point of the severance order, we certainly agree with the prosecution that contextual elements on a variety of matters may be relevant at various stages throughout the trial. My second point relates to so-called acts and conducts of the accused. Regarding the OCP submission on this principle, that it applies only to written witness statements prepared in anticipation of legal proceedings, we find this position overly formalistic and ultimately unconvincing. It has always been our position that we should not slavishly follow the rules of other tribunals, rather we should look to the underlying rationales of such provisions and apply those, that is the rationales, in a manner that is most protective of the rights of the accused before this tribunal. Et de s'assurer que and in the case des accusés of ICTY Rule 92bis, la règle 92bis by the prosecutors du TPIY, Tuesday, à laquelle les procureurs the underlying rationale is, of course, le raisonnement. The protection of the accused against serious issues of reliability associated with out-of-court statements where the maker of such statements is not available for testimony. And that the ICTY appeals chamber took pains to emphasize in the Galich case that written statements prepared for the purposes of legal proceedings are especially problematic, that does not exclude the possibility that other types of documents or statements are, by analogy, based on the same rationale, equally troubling. For example, unsourced press statements or any number of statements made by individuals with motives adverse to the accused, whether or not, as I've said, such statements à l'encontre de l'intérêt des accusés, by peu importe si ces déclarations ont été prises ou consignées par des enquêteurs in any case, en anticipation we de must conseils acknowledge judiciaires. With approval, I should add that the OCP has conceded that much, if not all of its submitted documentary material is only of a corroborative nature, de nature and à we're grateful for that verification. But we would be remiss not to belabor this nous point to a certain extent, devons given cette question, our client's toutefois, right to test tenu evidence du droit against him notre accusé through, de for example, confrontation. Tester les éléments de preuve déposés à son encontre, par exemple, en contre-interrogeant des témoins sur des déclarations. J'invite donc la Chambre à examiner soigneusement tous les documents proposés par l'accusation et retenir une approche qui protège plutôt les droits fondamentaux de nos clients. That is reference to these proceedings as a mini-trial. Your Honor, we submit that there is nothing inappropriate or offensive about the use of that term. All of the parties, I believe, have used it at some point. Commentators in the press regularly use it. If I'm not mistaken, members of the chamber staff have used it. Indeed, yesterday morning, the national prosecutor used it. At least that's what came through an English channel with my headset. So le procureur national l'a dit, c'est ce que j'ai entendu dans l'interprétation en anglais. Donc, mini-procès semble être le terme que l'on emploie pour le dossier 002-1, qui n'est pas aussi facile à prononcer. Il s'agit en fait d'une description exacte de cette procédure, qui est une version miniature du procès tel qu'il avait été envisagé au début. Donc, l'accusation ne va pas bien sûr limiter notre emploi de la langue dans le prétoire. Ready car à chaque fois que nous utilisons des propos insultants, la Chambre a toujours été prête à nous rappeler. Regarding torture-tainted material, my fourth point, quatrième just point a brief word on this. Of course, there are limited uses for torture-tainted evidence, and this is recognized by the CAT, and we have acknowledged that already. De preuves entachées de torture, cela est protégé par la Convention contre la torture. If a full ventilation of the issues is required, as suggested by the OCP, we are more than happy to assist comme l'a in that regard. Nous sommes tout à fait just to clarify something that Mr. Lysak mentioned yesterday, Lysak we did not submit
We did not submit that all biographies were taken under torture. Nous n'avons jamais dit que toutes les biographies avaient été obtenues sous la torture. Mais plutôt, et je vais citer mes notes, these documents, nous avions dit que ces documents qui avaient été faits sous la menace de torture, any event, par torture, under the type of inducement or coercion sous un type de coercition interdit par le règlement intérieur et donc devraient être considérés comme des aveux, et nous maintenons cette position. In any case, based on its previous remarks on the issue, we have full faith and confidence in the chamber. Nous avons pleinement confiance que la Chambre adoptera une position qui soit conforme avec les dispositions de la Convention contre la torture dans l'évaluation de la valeur probante de tout élément de preuve. My fifth point with respect to DCCAM documents. Ensuite, les documents provenant de DCCAM, contrairement à ce que l'accusation a dit, la défense n'a pas abandonné cette trame. Nous n'avons pas du tout abandonné cette position. Nous avons followed up with further written ones. Nombreuses that's document E1/39.1/1, and we are now simply awaiting a decision in chamber. Il y a aussi le document E9/39. However, I do accept my Belgian friend's assessment that the defense efforts in this case are largely, if not completely, to use his words, futile. My sixth point is regarding witness names. As maintenant, the naming of potential witnesses la question in this de case, nommer des témoins potentiels dans ce procès. Il faut établir une must différence. Made, il faut absolument on the one établir hand, une distinction between disclosing entre, the name la divulgation of a witness, du nom whose testimony d'un has been confirmed by the chamber, and where revelation of that fact would have some negative impact, si versus, le révéler se fait, on aurait un hand, impact négatif. The mere mention par rapport à of a name of an individual le simple fait de mentionner une personne qui aurait pu être individuals proposée comme témoin par une partie. Their participation, les individus ont des rôles publics outre leur participation case, dans and cette names will often be mentioned et in passing, leurs noms seront souvent mentionnés au passage, add, the prosecutor did on Tuesday, comme je dirais, leur fait l'accusation mardi avec le docteur Kissinger. We, of course, have called for his testimony in this case. Les parties ont demandé à ce qu'il soit cité à comparaître, et cela est bien sûr bien connu. Mais cela ne veut pas simplement dire, c'est pas plutôt parce que le Dr Kissinger a reçu un pseudonyme de la Chambre sans pour autant qu'il ait été sommé de comparaître que de mentionner son nom pose problème. And this goes equally for individuals who may have been scheduled for testimony. Should their names be mentioned in such a way aurait pu être cité à comparaître si l'on mentionne leur nom sans so I repeat révéler qu'ils ont été cités à comparaître. Donc, je rappelle Im que nous rappelons que Yu Bokchung, Mechen Mertmut, William Hong, Monday, lundi, j'ai mentionné ces noms, et en invoquant ces noms, je ne révèle rien, absolument rien, quant aux intentions de la Chambre par rapport à leur comparution. Possible. Je dis simplement que nous aimerions qu'ils soient entendus, et cela ne peut être considéré comme quelque chose de confidentiel. With respect to audio and video ensuite, recordings, point and sur les enregistrements audio simply et vidéo. In reply to something Mr. Lysak said yesterday, I believe I corrected myself on Monday. Je crois m'être corrigé lundi quand j'ai fait référence aux producteurs de tels enregistrements plutôt que les créateurs de ces enregistrements audio et vidéo. And finally, my eighth point. Huitième as to the quality of the work accomplished by the OCIJ, I simply stand by my original submission that any reasonable observer of the investigation into case 2 would conclude that that office, under its previous leadership, I might add, was a manifestly biased institution, despite the presence in that office of certain staff members. Malgré la présence de membres du personnel previous judicial scrutiny must be discounted in the manner we have suggested to date. And I hope I haven't taken too much of your time unless Major Sunderoon or my arrogant Dutch friend has anything further to add. I will cede the floor to Mr. Carnabas. Je vais maintenant laisser la parole à mon confrère Maître Carnabas, à moins que mon confrère Maître Pesman ait quelque chose à ajouter. No. The President, thank you. Le Président, je vous remercie. The next floor is given to Defense Counsel for Yangtze. La parole est maintenant au Conseil de Yangtze. Good morning, Mr. President. Bonjour, good morning, Monsieur Your Président. Honors. Good morning to everyone in and around the Madame courtroom. Juges et tous I'll try to speak présent. Slowly, even though I have a lot of ground to cover. Lentement, même si j'ai beaucoup de choses first, à dire. Let me begin with where Mr. Lysak began yesterday. Laissez-moi commencer au même endroit où a commencé and M. we do indeed confess error with respect to two of the en effet. The documents. Nous avons commis deux erreurs sur les documents. And mine alone c'est in mon that erreur et one seulement la mienne. Exhibit number un. Is being used, and then en fait, c'est dû au fait que l'on utilise une cote air numbers, mais
that are part and parcel of the same document, les ERN qui font aussi partie, or the same exhibit number that contains three different documents, or two different documents. Peut faire référence à deux documents différents. There's where the confusion lies donc with voilà us. Pourquoi when I was collating the documents, I made confusion. This error, and j'ai commis cette erreur. I do extend my apologies to the prosecution, and we will endeavor to keep in mind that when a document has, when more than one document has the same number, document that is because of the way it was raison processed into the case file. We don't think that this is a proper way of doing things. We nous think that it should have a separate case number, exhibit number, des codes différents pour différents dossiers pénaux, pour éviter la confusion. Peut-être aurions-nous pu dépendre des ERN, mais voilà. Un document, le document IS 3.5. We do note that while it is a biography, que bien qu'il s'agit d'une biographie ou qu'elle est catégorisée comme biographie, some ce document contient aussi des photographies provenant du and DC again, that was part of the confusion. Une fois de plus, cela a porté so we extend our, apologies to nous the prosecution, regrettons donc cela et nous présentons nos excuses à l'accusation. Ask for the trial chamber's indulgence. Et nous demandons. In the future to be more vigilant. Nous invoquons plutôt la bienveillance de la chambre. And diligent. Et nous ferons de notre mieux pour être plus vigilants. That aside, Mr. Lysak gave a brilliant performance yesterday, testifying at one point. Giving a closing argument at one point. Qu'il a même fait, and then inviting your honors. Il a presque invité la chambre. To inviter la chambre. Accept your findings of fact. From case 001 as proof facts in this case. De fait dans le dossier 1 comme des faits. And he did so by saying, well, your honors, you know from having heard Deutsch that vous avez this is what happened. Deutsch, vous this savez is que the way it produit. Is. Et c'est comme ça. And it gave the appearance that well, this is well beyond adjudicated facts. Que on est bien au-delà you may recall, your de honors, qui ont déjà été jugés, that we had some major concerns with the trial bench as it's presently constituted. De sérieuses réserves because quant it had heard au siège tel qu'il est constitué in 001, car il and now it was going to rehear le certain evidence 1, for 002. Siège, dans sa composition actuelle, we filed submissions. Des in fact, the first submission was filed by the Interit team, en fait, c'est and la then de Ying we followed qui avait déposé une écriture à cet égard, et nous avions the suivi. Trial chamber made its decision. La chambre a rendu sa décision. And in doing sur so, cette question, we have been left with the impression et and I believe it's a correct impression nous avons that the trial chamber will endeavor to give us a fresh trial pour créer and un nouveau to hear procès, the evidence anew et d'entendre une de, les as opposed to relying nouveau, on evidence de dépendre and where the prosecution looks to the trial chamber et, and says, well, you know, your honors, donc, since you've heard us from the first case, savez, juges, that this is a proof fact. Why would you want to bother in listening to the defense? And that's what I got from Mr. Lysak yesterday. In not so many words, but in fact, that's what he was doing. And I will explain in more detail later when I talk about transcripts lorsque l'on parle de of testimony. Et quand l'on invoque les transcriptions de témoignages. Basically, the prosecution's argument was, well, l'argument this is a civil law system, était que bien qu'il s'agit d'un système inspiré du droit romano-germanique, germanique, il n'y a pas de seuil de recevabilité. Vous êtes des juges professionnels. The OCIJ, the Office of the Court Investigating Judge, did an objective investigation, and I concur with the objective. Nunchen. There were anything but objective. I think Judge Lamont made it quite objective. Clear. He wanted inculpatory evidence, not exculpatory. We filed a motion to have him recused and recusation dismissed. Du juge. But we saw nothing in that investigation that demonstrated that they actually did an investigation. What they did was a validation of what the prosecution had prepared in their initially for them. And then when you have an employee of the prosecution go on and to work for the OCIJ, that shows you how much objectivity was involved in that case. And in filing, in making certain submissions, even the core investigative judges admitted that only they need to be objective, but their staff need not. Yet it is their staff that go out into the field. It is their staff that supposedly summarize accurately and correctly the statement. And I have a newsflash for everybody. We're not in France, nouvelle, where they have trained judicial officers, judicial police,
who know the procedure, où il y a des policiers, des enquêteurs culture, qui connaissent la procédure et tout le monde provient de la même culture juridique. So we have investigators from all over the world. Nous avons ici des enquêteurs qui viennent de partout dans le monde, qui ont des pratiques différentes, des habitudes distinctes. Et c'est pourquoi nous disons que l'instruction n'est pas objective, et c'est pourquoi il faut faire preuve de vigilance. L'accusation a dit, il s'agit d'une entreprise criminelle commune, La défense est en train de vous entendre certaines évidences. We're trying to build a wall, we're trying to tie hands. Témoins, on essaie de construire un mur, on essaie de limiter. En fait, c'était vous. To sever the cases. Madame la juge qui avait décidé de disjoindre cette procédure. We concurred with you. In severing the case, I assume, I think that everyone in this courtroom would agree with me, it wasn't done lightly. Avec moi que cette disjonction ne s'est pas faite à la va-vite, que and vous avez you réfléchi. Took everybody's, everyone, every, all the parties' interests et que vous avez supposé into consideration. De chacune des parties. Avant de rendre if the trial chamber intended to try the entire case, si or have all of the evidence of case 002 pumped into, dragged into, snuck into, call it what you will, into 002/1, tous les éléments de preuve pour le dossier 002 dans le dossier 002/1, le président interrompt. Give me 10 extra minutes, I will slow down. Je vais ralentir, dit Maître Carnavas. Okay. Well. It's always worth negotiating. Oui. My apologies, Your Honor, and I am getting a little bit exuberant. So I will try to slow down. Je suis un peu exubérant, je vais essayer de ralentir. So let's begin, and I'll go slowly. Je vais parler lentement. Your Honors, I invite you to look at your severance order. J'aimerais que vous portiez votre attention à l'ordonnance. In particular, paragraphs 6, 7, and 8. 7 et 8. In 8 in particular, though it is directed towards the civil parties, même si le paragraphe 8 s'adresse en particulier aux parties civiles, il est pertinent pour tous. And you state in this decision of the severance order of 22 septembre 2011, in paragraph 8, that the number of witnesses, experts, and civil parties to be called by the chamber will be limited to those whose proposed testimony is required for the first trial. Separation of proceedings will enable the trial chamber to issue a verdict following a shortened trial. That's what I want to focus on. Plus rapide. Et voilà ce sur quoi j'aimerais m'attarder. Vous avez parlé ici d'une a shortened trial. Safeguarding. Il s'agit ici safeguarding donc d'un fundamental interests of victims in achieving écourté, meaningful and timely justice les intérêts and the right of all accused in 002. So you're balancing. And I assume donc you're on when you limited the number of witnesses, your intention was to limit, the evidence that was directly related to 002/1. The prosecution says, well, gee, we made this annex for the entire case, and we're working off that annex. Nous avons colligé une annexe suffice pour, it to say, Your Honor, et nous allons travailler when sur you base. Decided mais quand when la you chambre decided décidé, to sever, quand la chambre a décidé it was de procéder à une disjonction, The prosecution's duty and obligation to go through their l'obligation annex and edit it. Did they? Il incombait no. à l'accusation d'aller dans son how annexe et de la purger de ce qui n'était Mr. pas pertinent. Lysak l'ont-ils fait? Non. Made some admissions. Well, here's a, Monsieur Lysak l'a dit hier. A film or a video. Il a dit, voici not relevant for 002/1, mais pas pertinent pour 002/1. Hein? Okay, you can defer donc, making a decision on that. Decision why is it in then, pourquoi ce in any event? Est-il même sur la liste? We want to help the trial chamber in its endeavor based on its decision to sever the cases. To sever this case, obviously the intention was not to cut off any part of the closing order. That wasn't the intention. But the intention was to have 002/1 as a self-contained trial that would be manageable. It cannot be manageable, Your Honors. We submit if you're having documents that are dumped into the file, into your lap, and you're being asked now to figure it all out.
The international co-prosecutor 2 days ago read from our own motion and quoted relevance. L'accusation a cité notre motion, une requête que nous avions déposée plutôt sur la question and de la pertinence. This was in a filing that I made, that we made on behalf of Mr. Ansari. Our objections to the admission of certain categories of documents. La recevabilité de certaines catégories de documents. 6 septembre 2011, document E114, paragraph 11. Au paragraphe 11. The pertinent part. Relevance has been defined as, quote, la pertinence était évidemment comme, je cite, tends to prove or disprove a material issue. Ou infirmer. In other words, une question evidence de fait. Is relevant autrement dit, if it is un élément de preuve est its effect is to make more or less probable the existence of any fact plus ou moins probable which is in issue, i.e., upon which guilt or innocence depends. Un fait end dont of quote. L'innocence and ou then la culpabilité Judge Shabahuddin, who was on the appeals chamber, un des juges de la chambre then de goes on and served at the ICTY for many, many years. He goes on to say, quote, evidence must be relevant. That is to say, it must tend to make credible a fact which has to be established at trial. Accorder de la crédibilité which has to be established un at trial. Un it is not relevant au procès. That alone suffices to exclude it. Okay, so it has to be relevant. So the international co-prosecutor says, well, clearly Mr. Ansari has filed a motion a dire, and has savez, objected to being requête, here because he was pardoned and he got an amnesty. And why? What's wrong with having this document? Well, let me explain it so that we can all understand. And hopefully it will be understood on the part of the prosecution. Why is this relevant? Pourquoi to your case. Is this an issue? Mr. Ansari did indeed receive a pardon and an amnesty. That was never an issue. What the issue was, whether it's applicable and to what extent in this particular institution. So is this relevant? Voilà, no. Est-ce pertinent? Is it nice and useful to have in the case? Utile, well, it may be nice, but is it useful? No. Le why clog up non. Alors pourquoi? That the file, in this case, with that useless information? Donc pourquoi? So, do I care, or do we care inutiles? If that piece of evidence est-ce is in? Intéressant no. Que it means nothing to us, that particular non. Piece of evidence. Non, ne veut rien dire but moi. I'm raising it as an example. Je vous le cite en or, exemple. For instance, they have a report, ou, a rogatory report, that says we, the investigators, X, Y, and Z, went and oversaw the arrest of Mr. Ansari or Nunchi or what have you. Why is that important? Is their arrest an issue? In this case, que leur arrestation no. Est un point en litige dans ce dossier? But I ask non. You, why haven't they taken alors, the time to sanitize n'a-t-elle pas épuré sa liste their annex and to only proffer pour le présenter documents which are relevant to the case? Les documents, les seuls documents we submit the reason procès. They don't want to do that et is they would like to, say, to have everything in car from 002 tout and then ce qui a été préparé in pour the le dossier 2 soit versé au what dossier 001 pour ensuite. It's useful for other things. Dire à la chambre, this is contextual. And then, c'est une in the event that there is no case beyond this particular case, because that's what they perceive, that's what they admit in their own writings, then they would be able to use that acquis, for some other purposes. Écritures, we are saying, ces documents pour in order to have this case manageable, we have nous to have manageable amounts of information gérable, that are relevant to the case. No one is trying, and no one has ever tried, to prevent the prosecution from putting on its case, if indeed it has a case, which it claims it does not, si because it says that it's the trial's case, mais and that you are the ones that are driving de la chambre, the process. Que ce sont les juges qui sont now, les maîtres de cette let procédure. Me go on, Your Honors. To the next point je vais passer about au point professional suivant. Judges. Il s'agit du point concernant because les juges professionnels. Because I think, you know, and I must confess, when I first went to the Hague j'avoue back in 2001 and I heard this term professional judges, I couldn't understand. En 2001 et qu'on m'a parlé de juges professionnels, je n'ai pas compris. Because I came from a country where je our judges are professional. Où nos juges sont professionnels. So it took me a while il m'a fallu to figure it out pour comprendre ce que ça voulait dire. Because I also saw j'ai aussi judges who were vu des diplomats juges and academics. Qui étaient diplomates my, ou universitaires. In my opinion, some et of them are not à mon avis, certains d'entre eux ne sont pas nécessairement professionnels parce qu'ils ne proviennent pas de la profession de magistrat en tant que procureur ou bien encore field, en tant qu'avocat. They're classroom academics
ils ce sont des diplomates ou des universitaires qui font autre chose. I guess the term means you not soit, lay people. Je suppose that you can que cela receive s'oppose all of this evidence à des and somehow profanes. Autrement keep dit, it les professionnels peuvent accepter les éléments de preuve what is admissible, et distinguer what is not. Ce qui est recevable de ce qui ne l'est pas. And so I thought I would invite your honors j'avais l'intention de présenter from a recent au juge case une transcription at the ICTY because d'une audience récente du TPIY, they look to the ICTY puisque chaque fois que ça arrange l'accusation, elle se tourne vers le TPIY, comme si c'était du TPIY que tout tribunal. Venait et que c'était so la référence ultime. Your with a copy of the transcript j'ai donc présenté from au juge case, une transcription you have it there, de l'affaire and I'm referring Paladina. To the 18 October 2001, 18 octobre 2001. Transcript. C'est une transcription. The case of prosecution versus le procureur Ramush contre Haradina. Ramush Haradina. Je vais l'appeler. R-A-M-U-S-H. Last name. R-A-M-U-S-H. H-A-R-A-D-I-N-A-J. 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 And the case number is I-T-04-84. Je donne la référence. Bis 84 bis T capital T for trial en majuscule T comme trial. So in this particular case, dans cette affaire, the prosecution, your honors, is about to give opening statement and they want to refer to certain books. Une déclaration liminaire et veut mentionner certains ouvrages. I refer to page 224. And this is what Judge Moloto, who's from South Africa, ce que dit le who's juge actually Moloto, a judge and was a member of the bar since 78, and had practiced law, but was a judge juriste, in South Africa, qui and has been at the ICTY juge since 2005. Du Sud et qui this is what he has Grec to say. À partir de 2005, voici ce qu'il dit. Let me just make a je general cite. Comment. Je vais faire une observation générale. I find the opening to verge on testifying and introducing exhibits which are not marked as exhibits yet, but which are documents that make an impression conviction in the mind ne sont pas of the chamber, telles, mais qui sont les documents qui suscitent une certaine impression dans l'esprit the extent des juges de la chambre. That this and to the extent that this point comme there is now a dispute stade, about the authenticity and the provenance et à l'origine de cette pièce, the relevance of the book la pertinence that you're about to refer to, the chamber feels constrained to apply la chambre the rules se sent of admissibility before les règles de it allows you to continue avant de vous permettre de continuer talking about it. D'en parler. Now I'm on page 225, line 1. Je suis maintenant à la page 225. You got to authenticate it. You got cite, to bring in a witness to say vous devez he's the author of the book. Témoin qui dira qu'il est l'auteur de l'ouvrage. And all the requirements for admissibility. Voilà les because we, the chamber, en matière de recevabilité, parce que nous, les juges de la chambre, we hear nous what you are going to say only to throw the book out later. Ce que vous the allez dire uniquement pour but écarter mind, le livre plus it's tard. Still in the mind. Peut-être que le livre sera and écarté, for mais is to make sure la question sera encore dans les esprits. Or, quand on parle d'admissibilité, what might il s'agit de veiller à ce que l'esprit des juges de la Chambre ne Mr. Rogers, soit pas influencé par ce qui pourrait ultérieurement point, s'avérer irrecevable. Ensuite, mantra à la page that we often hear suivante, in international tribunals, il Your utilise honors, la rengaine course, professional judges, habituellement utilisée, à savoir que les juges sont bien sûr des juges professionnels well, qui sont capables to take away from your mind such d'écarter de leur esprit that may or les may choses not. Qui pourraient in due course, in due course, be ruled to be admissible. Déclaré and for that reason, these documents recevable en temps utile. And documents like it et pour cette raison, are normally permitted to be opened during sont the course. And peuvent généralement être ouverts. Now let's follow on. Next page. Et ensuite, je passe à la page page 226. Page 226. This is what Judge Moloto voici ce que dit le juge responds to this. The mantra, réponse your professional à cette judges. Rengaine, comme quoi il s'agit de juges professionnels. And now I'm on page 226. Je cite la page 226. Line 11. 11e ligne. Everyone has been copied, your honors, chacun so everyone a reçu can follow un along. Exemplaire et peut donc suivre. And I apologize to those who cannot read English. Je présente mes excuses this à ceux qui ne lisent the pas best l'anglais. We could do. I thought of this as an afterthought this morning and dug j'ai this up.
penser en dernier lieu. Can I just make a few comments? Je voudrais faire quelques observations. Premièrement, I just want to say I accept that the chamber is composed of professional judges who are able to disabuse their minds of things that are irrelevant. However, ne pas prendre en considération les éléments qui ne sont pas pertinents. Cependant, la chambre est constituée d'êtres humains. Et vous constaterez que dans les lignes directrices qui ont été données, toute la question de, en anglais, MFIing documents est interdite précisément pour cette raison. You may be able to disabuse our minds. Si vous obtenez un document, vous pouvez être capable de vous désabuser. Autrement dit, s'il n'y a qu'un document, on peut l'écarter. And this is the crux of our argument, et Your Honor. Voici ici le nœud de l'argument à présent. If we are going to get 150, si nous avons 150 documents, or dans le présent 50, dossier, il y en a bien plus, but if you were going to get 150, des milliers, si l'on en a 150, pretty difficult, cela devient humanly difficile to do et humainement impossible and de le faire. Et par this chamber intends la to keep to a very bare minimum any documents that come in, which may later have to be thrown out. Le nombre de documents susceptibles d'être acceptés en premier lieu pour être écartés ultérieurement. Voilà donc pour la question here des juges professionnels qui sont capables. Not so fast. Ici, il y a un juge and qui dit attention, thing, pas si vite. Et nous disons we're la même not chose. Suggesting that you're not capable, nous ne disons pas que les juges ne sont pas capables. Be inundated. Mais les juges vont être submergés. And I propose that we first hear that some of these documents can come through the witnesses. Certains documents peuvent être présentés par le biais d'un témoin. Et ensuite, des requêtes pourraient être demandées le cas échéant. Voici la démarche qui est privilégiée au TPI grec. As far as I'm concerned, and as far as I know, d'après with respect to rogatory, en tout cas, we have my remarks concerning the rogatory, concernant the rogatory letters, les commissions rogatoires. The rogatory letters, yes. With respect to D9/91/30, here, for instance, you have a summary. Ici, from the l'on trouve un résumé investigators concerning établi what par les enquêteurs concernant ce qu'ils ont appris des bouches de la bouche so du témoin Long Norin. Il a déposé, why je ne pense pas révéler quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? His testimony is the evidence. Il a déposé. Why son témoignage constitue l'élément de preuve. Is it being proffered as a supplemental? Est-ce but que, along with this, there is pourquoi est-ce que ce résumé est présenté? Witness summary. En plus de la déposition, il y a aussi in fact, une autre summary, déclaration de témoin qui est un résumé et en outre well divided into qui est un document of people from Phnom Penh, qui est réparti entre plusieurs parties, l'évacuation de Phnom Penh, chain of command, la chaîne de commandement, la rééducation des intellectuels, so etc. etc. Is this witness scheduled to appear? Est-ce qu'il est prévu de citer à comparaître ce témoin? Et si oui, pourquoi if est-ce qu'il faut présenter ça does this not maintenant? Et si non, ceci n'est pas autorisé. Especially since the prosecution is saying d'autant plus que l'accusation dit que cela a été fait sous serment. Et donc, la personne peut venir, pas besoin de contre-interroger la personne, on peut tout accepter ce qui figure dans ce document parce que nous le disons. No, pour nous, ce n'est pas vrai. Pas maintenant, come in, si le témoin ne vient pas, he's not scheduled to come in, s'il n'est pas prévu de le citer à comparaître, si l'accusation pense avoir besoin de ces informations parce que sans celles-ci, l'accusation ne pourrait pas prouver sa thèse, alors l'accusation peut faire des observations. Mais nous disons qu'à ce stade, c'est prématuré. Our approach all along. Voici we're not trying la position que nous adoptons depuis le début. Nous n'essayons pas d'écarter quoi que ce soit, mais nous disons qu'il y a un temps pour tout. Transcripts, Your Honor, j'en viens aux transcriptions. Because I think I might be running out of time, and car this may take il me reste peu de temps, je pense. Cela va me prendre peut-être un peu plus de temps que prévu. I do have actually, and I provided everyone, including Your j'ai donné à tous, and, y compris my colleague au juge, informed me that I, perhaps I should have asked permission, et j'aurais peut-être dû demander l'autorisation providing it, to avant everyone, de communiquer cela à tout le monde ainsi qu'au juge. Mes collègues me disent que j'aurais peut-être dû demander l'autorisation. Je ne l'ai pas fait, je m'en excuse, nous avons remis cela au greffier, chacun a donc reçu ses documents.
I'm referring to hard copies is because si j'utilise des documents papier, c'est parce que c'est parfois difficile de suivre quand on n'a pas le document sous les yeux. Il s'agit d'une transcription qui est tirée de la même affaire, avec le même numéro de dossier, une autre date, c'est le 24 août 2011, je vous ai également donné certaines règles de preuve du TPIY, puisqu'il y en est question dans cette transcription. Et pour votre commodité, je vous ai donc aiguillé vers ce règlement, pour que vous ne deviez pas faire vous-même la recherche. Dans cette affaire, l'enjeu consiste à savoir si la transcription d'une déclaration d'un témoin qui est dans le prétoire au moment donné, mais qui refuse de témoigner, et soit dit en passant, c'était mon client, la question est de savoir si la déclaration antérieure faite dans le cadre d'une autre affaire peut être présentée. Je vous renvoie à la page 453 de la transcription jusqu'à la paragraphe page 462. Ceci fait partie d'une décision orale qui a été rendue dans cette affaire. Pour gagner du temps, je ne vais pas donner lecture de tout ce que je voulais lire. Je vais vous faire un résumé de ce qui s'est produit. Et ceci peut être retrouvé dans les pages que je vous ai données. Le témoin est venu, il a réussi à répondre à certaines questions, puis il a refusé de répondre aux autres questions de l'accusation. L'accusation a alors demandé à cette personne si dans ses déclarations précédentes elle avait dit la vérité. La réponse a été oui. Alors le témoin a dit qu'il ne tenait plus à déposer ou qu'il ne pouvait plus en réalité déposer, et ce pour diverses raisons. So for all intents and purposes, donc, the witness was unavailable. En réalité, even though physically he was c'est comme si le témoin n'était pas disponible, même s'il était là physiquement. In his brain, les éléments de preuve qu'il avait dans le cerveau, qu'il aurait pu présenter, eh bien, il ne voulait pas ou ne pouvait pas les présenter. Et du coup, l'accusation s'est retrouvée having called the witness, bloquée, puisqu'elle avait fait citer le témoin à comparaître, but then relying on the witness's prior statements, et elle a dû s'appuyer sur les déclarations antérieures et les témoignages antérieurs déposés sous serment. Voilà le scénario. You will see, Your Honor, because I'm running out of time, that what the court held, and it goes through pains to explain the interplay of the various rules. La peine de préciser quelles étaient les différentes règles pertinentes. Effectively, the judge, at the end, allows the transcript to come in. Les juges ont permis la présentation de la transcription the parties the opportunity et ont laissé aux parties la possibilité de contre-interroger le témoin. And at the end of the day, et finalement, what happens is the transcript does come in. La transcription a été acceptée. And they're invoking various rules. And et plusieurs règles ont été invoquées. Limited time, comme I will nous avons just go temps, to je vais page 459, je vais en extraire quelques passages. Because we're dealing with 92, rule 92 with the ICTR, de la règle 92, but in this case, du règlement du TPIY. Ici, c'est règle 92-TER. La règle 92-TER concerne la manière dont un témoin dépose, soit de vive voix, soit lorsque ses dépositions peuvent être admises par écrit, si un témoin est présent dans le prétoire et qu'il est disponible pour un contre-interrogatoire et atteste que la déclaration, la transcription en question if examined. Correspond in other words, à ce que le témoin dirait s'il était interrogé. Autrement dit, la règle 92-TER n'a pas vocation de remplacer la déposition orale d'un témoin. And let me give some background. Je vais vous donner quelques because informations the ICTY, de contexte. You have cases au TPIY, that are related, il y a des affaires qui ne sont pas liées case. Entre elles. Par exemple, l'affaire Srebrenica, il y a 4 ou 5 affaires dans ce contexte. The panels constitute of different trial judges.
les juges sont constitués, constituent plusieurs chambres de première instance. Il y a des témoins qui témoignent dans l'affaire A, Abramovich, Popovich, etc. Usually the witness comes in every single time, le témoin begins to give vient dans le prétoire from the beginning. Et dépose depuis le if début. The prosecution or the party si who's l'accusation ou la partie qui fait présenter le témoin save time souhaite gagner because du temps, we work under time constraints. Car il y a des contraintes de temps, they may make an application cette partie peut déposer une requête au titre de l'arrêt 92-TER, laquelle or the testimony permet la possibilité que la déclaration antérieure serve dans le cadre d'un interrogatoire direct après que plusieurs questions ont été posées, à savoir est-ce que vous avez déposé, est-ce que vous avez dit la vérité, peut-être quelques questions en plus, mais la déposition est admise, et ceci alors fait partie des éléments de preuve de l'accusation dans le cadre de l'examen de ce témoin. Et c'est sur la base de gets to cross-examine. De preuve que l'autre partie peut contre-interroger le témoin. That was the purpose of this rule. Voilà l'objet de cette règle. Here in this tribunal, we have different rules. Au CETC, yes, les règles sont différentes. Law, certes, c'est un système de droit civiliste, mais nous ne sommes sort plus vraiment en territoire civiliste. Nous sommes we've crossed dans un entre-deux. Enough, in my opinion, not far enough, à mon avis, nous nous sommes into suffisamment approchés du système anglo-saxon contradictoire. Et je ne veux pas vexer le juge Lavergne. Je pense que nous sommes dans cet entre-deux. Pour mieux ou pour mieux, delegated que ce soit bien some of your authorities ou non, to the les juges ont délégué une partie de leur autorité aux partis. Some of us welcome that, some of certains d'entre find nous en sont contents, bit, d'autres considèrent que c'est un peu déconcertant. But the prosecution, for instance, mais is entitled to lead. Par leading exemple, the witness on your behalf, in a sense. Peut orienter le témoin au nom des juges, peut diriger now, le témoin au nom des juges, en quelque sorte. If we admit a statement, si nous acceptons une déclaration, une transcription, est-ce que l'accusation veut bien admettre qu'il s'agit de leur élément de preuve pour le témoin en question à des fins de contre-interrogatoire direct? Si tel est le cas, alors vraiment nous sommes dans un système contradictoire, sans aucun doute. And this is why we have some problems. Et c'est pourquoi des problèmes se but posent. More importantly, Your Honor, plus important if encore, the witness is coming to si give evidence, le témoin vient déposer, let them give evidence. Qu'il dépose. If the prosecution wants si l'accusation veut utiliser from the des previous parties case des dépositions faites dans le cadre fine. D'une affaire précédente, dans le cadre then du témoignage, pas de problème. Which alors l'accusation doit dire quelles reasons, sont les portions pertinentes so et avancer des motifs and then pour que not chacun entitled soit to go au into courant. Those areas. Et l'accusation ne peut their pas direct examination. Doit in doing so, Your Honors, however, traiter de ces questions. I must caution, ce faisant, I must caution you that we've je dois been asked faire une how much time do we want on nous a demandé de combien de temps nous avions besoin pour Doit. Réfléchissez-y. Because this is something that at 3 o'clock in this morning, it was one of those eureka moments à 3 heures when I realized du matin, pendant la nuit, one of the problems. J'ai compris qu'il y avait un problème. You're asking us, Your Honors, how vous much nous demandez time de combien de temps his transcript nous from 001 comes in. Il y a une transcription entire, du dossier basically. 001 qui est all of his statements. Acceptée dans son they intégralité, pratiquement, then toute la déclaration faite dans le dossier 001. Puis, you're asking us how much time, and if I say l'accusation intervient. Vous nous demandez de combien de temps on a besoin. Si je dis une ou deux heures, ça veut dire que j'ai une ou deux heures pour confronter le témoin, pas seulement sur ce qu'il a dit dans le dossier, mais concernant tout ce qu'il a dit dans le dossier 001. Parce que si je ne le fais pas, l'accusation va dire la défense n'a pas contesté, la défense l'admet. Et comme l'accusation l'a dit hier, vous le savez déjà, les décisions ont déjà été prises là-dessus. Et c'est ici que réside le problème. Il y a donc un gros problème qui se pose. And we submit, Your Honors, that if a witness is pour coming, moi, let's si hear the un témoin vient déposer, entendons-le. S'il nous faut nous référer à une partie de la déposition précédente, on peut le faire. En général, comme je l'ai dit, on le fait uniquement à des fins de confrontation, de réhabilitation. S'il s'agit de gagner du temps, alors ça doit être une portion limitée qui devrait être identifiée. On devrait être informé à l'avance pour que les parties soient du moins informées et sachent exactement comment organiser leur propre interrogation. Du témoin. Is this part of the rules? Est-ce que ceci relève no. du règlement? Are we able non. to do this est-ce que to, nous pouvons le faire right. tout en préservant les droits de chacun? Yes. La réponse est oui. And I think that we can be et je creative pense enough que nous pouvons so être créatifs don't throw everything in pour ne pas devoir and say, tout well, reprendre et dire sift it out later, but rather faisons le tri plus tard. Very il faut être plutôt très judicieux dans ce que nous admettons à ce and stade. Getting to transcripts, Your Honor, et puisqu'on en est one aux transcriptions, that is being une des transcriptions qui est présentée, c'est bien now, sûr Judge Goldstone,
or Justice Goldstone, who is a justice on the Supreme Court. Transcription particulière. Le juge Goldstone of South Africa, siège à la Cour suprême. Went on to become the prosecutor d'Afrique du Sud for the ICTY. Et a lecturer, est devenu coprocureur au TPI grec. Recently, he was involved. Récemment, on a commission. Il a été membre d'une commission the events in Gaza, qui était chargée de traiter des événements de Gaza. Je ne vais pas en parler, mais quoi qu'il en soit, here, M. Goldstone, in Doig, dans l'affaire Doig, a déposé sur des questions qui sont sans aucun rapport avec la présente affaire. It has nothing to do with the case. Rien à voir I enjoyed reading his testimony. J'ai pris du plaisir à lire sa déposition. It might be relevant peut-être for some other purpose down the road, maybe for the next dans le cadre d'autres segments ultérieurs. Mais pour l'affaire 002/1, ceci so est dénué de toute pertinence. Is a prosecution alors pourquoi est-ce que l'accusation putting it in at this point in time. Présente and it can't cette déposition maintenant because it deals with a joint criminal enterprise. Ça ne peut pas être parce que ça concerne l'entreprise criminelle commune. Ça n'a rien à voir avec cette entreprise criminelle commune. Il y a il y a d'autres transcriptions, la transcription de la déposition d'experts ou d'historiens, such as Chandler, comme par exemple Chandler, Chanda, okay? If these witnesses, ou if these individuals, let me correct myself, if these individuals do not come in and testify, si ces personnes ne viennent pas déposer l'accusation, demande que leur déclaration antérieure soit acceptée. Non seulement leur déclaration antérieure, mais en réalité, ce qu'il est demandé, c'est d'accepter tous les faits qui ont été mentionnés dans le cadre de la déposition faite dans le dossier 001. Il me reste peu de temps, je vous demande encore quelques minutes, mes excuses, j'aurais dû le demander plus tôt. Here's the problem. Voici donc le problème. If they don't come in, s'ils to be confronted, ne viennent pas pour être contre-interrogés, then essentially we're stuck with their testimony. Au fond, nous sommes they say bloqués. They, the prosecution. Nous n'avons well, que leur déposition. L'accusation dit qu'ils ont été contre-interrogés, mais dans une autre affaire. Je vois que l'accusation secoue la tête, mais lisez les observations de l'accusation. Il est dit que les transcriptions des questions devraient être utilisés de façon similaire. Ils disent que devant les juges d'instruction, on prête serment. Quand on dépose, on prête serment. Voilà ce que la commission dit dans ses observations écrites. Et c'est la position qui a été réitérée hier. Je l'ai entendu. Si un témoin comme Chandler, un témoin du dossier 001, vient, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la déposition qu'il a faite dans le dossier 001 à ce stade-ci? Pourquoi est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ne va pas trop vite en besogne si la personne be cross-examined or questioned, and quitte à comparaître, elle peut être contre-interrogée et le cas échéant, on peut se référer à la partie pertinente de sa déposition antérieure. Si, pour des raisons de temps, nous n'avons pas la possibilité de tout couvrir, car nous manquons le temps, et qu'il y a une portion particulière to acts and conduct de la déposition qui porte sur le contexte. Et si cette portion est nécessaire pour des éléments de contexte, à ce moment-là, l'accusation ou les parties civiles ou nous-mêmes peuvent demander l'autorisation de faire admettre cette portion bien précise. Cela ne porte préjudice à personne. Et chacun est informé. Quand le témoin est là, le cas échéant, il peut être contre-interrogé. Si le témoin n'est pas disponible, comme cela a été l'affaire dans l'affaire Haradinaj, eh bien, on avisera le moment venu. On n'est pas encore là. Notre position est très claire. Je veux le dire, hier, je suis resté assis patiemment. Je voulais soulever une objection, mais je n'ai pas fait. Mais j'ai eu l'impression que nous sommes accusés d'essayer de limiter l'existence de S21, comme si nous voulions écarter tous les témoignages qui y ont trait, que nous voulons nier cela. Ce n'est pas le cas. Ce que nous disons, c'est ce qui suit. De leur propre initiative, les juges ont décidé de restreindre l'étendue du premier dossier pour des raisons d'efficacité, de façon à ce que les juges puissent plus rapidement rendre un jugement.
Pour ce faire, il faut que le dossier soit ciblé. C'est une décision très judicieuse. The evidence at this point in time. I think these hearings, and I will agree with ici, the civil party je rejoins ce qu'ont dit les parties civiles hier. Ces audiences ont I think initially it was, are these relevant and to what extent are commencé they aware à suivre leur propre dynamique. Now we're into trying to make argument maintenant, about why nous the documents de déposer des prove arguments. Guilt. That's what was done yesterday. Montrant comment so, Your Honor, certains documents prouvent la culpabilité. C'est ce qui a été fait hier. We're les juges ont adopté the, une démarche judicieuse. Si l'on examine toutes les observations made, qui ont été faites, et si les juges se réfèrent en particulier from the, à la transcription the oral decision that I've submitted de la décision from the Haradina case, orale de l'affaire Haradina que j'ai citée, les juges verront there. Qu'on y trouve la réponse. No one needs to be prejudiced. But we want to make sure il ne s'agit de porter préjudice à personne, mais il faut être bien certain que le procès sera ciblé, gérable, et le moment opportun, le moment venu, lorsqu'il s'agira de rédiger les réquisitoires plaidoiries, nous devons savoir qu'est-ce qui est pertinent. Et l'accusation ne peut se contenter de se lever et de dire qu'une décision doit être rendue sur chaque élément de preuve. En fait, l'accusation doit nettoyer sa liste. Et avant de me rasseoir, j'ai une dernière chose à dire. Lorsqu'on examine les annexes de l'accusation, il est pratiquement impossible, dans bien des cas, de deviner pourquoi un document particulier a été présenté. You know, the fact that he was it was reported that he got an amnesty. I can't figure out. Par I'm exemple, trying to get into their head. Le I fait just, que can't. Mon client can't a été amnistié. J'essaie de comprendre it's la pertinence, not, mais je ne comprends available. Pas. Yesterday, hier, Mr. Lysak is making an offer of proof. Monsieur Lysak a fait une offre de preuve. Submissions and closing argument attempted to do so. Il a essayé de perhaps, le faire. Perhaps had the prosecutor si. And this is not a criticism et but si je ne critique this pas, is something that the trial chamber should peut-être consider que la chambre devrait had the prosecutor in his, si. In his annex dans son been annexe, a little bit l'accusation more avait generous été un peu plus généreuse in the information as to quant why aux informations exactly, données sur les raisons pour lesquelles ce document est présenté, pas seulement en citant tel ou tel paragraphe. L'accusation aurait pu donner des explications, un court paragraphe. Ainsi, les parties auraient pu comprendre où voulait en venir l'accusation. Si l'accusation l'avait fait, nous n'aurions pas dû faire des objections globales. Et ici, ce n'est pas une critique. Quoi qu'il en soit, je remercie la Chambre d'avoir prolongé mon temps de parole et d'avoir fait preuve d'une telle patience. Merci beaucoup. The President, thank you, Counsel. Merci, Maître. We would like to proceed to Counsel for Kyo Sampan. La parole est à présent à la défense de Kyo Sampan. Counsel. Maître Kong Sompon, merci Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Having observed the response by the co-prosecutors, I would nous like avons entendu les réponses de l'accusation. A common reply to that. Et à présent, je souhaiterais and répliquer my à toutes les observations qui ont été faites. By pinpointing to the specific mes confrères vont également prendre la parole pour aborder certains argument. Aspects particuliers all, des réponses I de l'accusation. Premièrement, the statements j'abonde pleinement by both counsels dans le sens other co-accused des avocats des autres objection accusés. To the other documents put before the chamber s'agissant by des objections the prosecutors. Visant les documents. Our position is that we do not object
to every nous n'avons pas l'intention de contester chacun des documents qui sont présentés par l'accusation. We only object any documents nous contestons uniquement irrelevant les documents que nous considérons comme dénués de pertinence, ainsi que les documents qui, de par leur nature, ne sauraient être versés au débat à ce stade, ou encore les documents qui ne sauraient être examinés qu'ultérieurement. Another time put before the chamber today, it creates some confusion. Car si l'on dépose aujourd'hui les documents qui seront pertinents plus tard, cela crée de la confusion. Je suis d'avis. The co-prosecutor's opinions are divided concerning que l'accusation. The order by the trial chamber document E1. Ou plutôt concernant. Le document E124 de la Chambre, ordonnance de disjonction, il n'y a pas consensus au sein de l'accusation sur cette question et sur cette disjonction selon l'application de la règle 89-10. Find that the documents put by the prosecutors are not relevant for the time being. Fait en sorte que une grande partie des documents proposés par l'accusation ne sont pas pertinents pour ce premier procès. It is a question indeed before this chamber as to which particular provision is to be applied before this chamber concerning the relevant documents to be put before the chamber. À respecter at this moment. Pour la the prosecutors have focused so far on jour, the closing order by the co-investigating judges rather than paying greater attention to the severance order issued by the trial chamber. To that effect, à l'ordonnance de disjonction de la chambre de première substantial instance. Portions of the documents donc, submitted by the prosecutors before this chamber are irrelevant la to the proceedings des documents before us proposés now. Par l'accusation and ne sont pas pertinents. I submit that since the documents proposed by the co-prosecutors are relevant to only the facts in the closing order, not the severance order. Car les documents proposés par l'accusation sont pertinents pour les faits de l'ordonnance de clôture et pas pour l'ordre. Answer the question whether we are now referring to the merit of the closing order or the currently issued de order de by the trial chamber concerning the severance. Chantien de Sud, we yang submit that the trial chamber has its discretion to sever the case and that we are not bound by the closing order. Instead, we shall refer to the severance order. We feel that we respect the discretion of the trial chamber, and it is proper that the procedures are severed so that it can facilitate the flow of the trial proceedings. We also would wish to know whether the documents put by the co-prosecutors relevant to the effort to find the truth. Nous voulons aussi or not. Savoir si for les the last 2 days, we have observed what the prosecutors submitted. Nous avons entendu les and that the argument is that the defense counsel is
are supposed to provide documents in their support and documents relevant to a video footage also quoted concerning Kyu Sompon interview, and prosecutor indicated that no one knew who the interviewer could have been other than Kyu Sompon. By stating that, the prosecutor seemed to have forgotten that they are bound by the burden of proof. L'accusation, it is not the defense counsel who shall take this position. It is the prosecution who shall prove the case beyond a reasonable doubt. Il incombe à l'accusation for that reason, as long as the prosecutors have proved the case beyond a reasonable doubt, the defense counsel is not expected to shoulder this responsibility. La défense aide l'accusation. That is all from me, Your Honours. I would like to share the floor with my counsel, co-counsel. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs de la Chambre. Compte tenu du temps qui nous est imparti, je vais essayer d'être brève sur les quelques points qui nous semblent importants de devoir être clarifiés. Je vais répondre en fonction des différents thèmes qui ont été abordés par les coprocureurs, mais je tiens d'abord à souligner un point qui a été évoqué par mes précédents confrères, à savoir qu'il n'a jamais été en question de mettre en doute le fait que vous êtes des juges professionnels capables d'apprécier la valeur probante des documents qui vous ont soumis. Mais pour moi, l'intérêt de ce type d'exercice auquel nous nous livrons depuis deux jours, c'est bien de vous permettre, dans la masse prodigieuse de documents qui vous est soumis, d'avoir une sorte de sélection, un tri préalable. Et je ne comprends pas l'intérêt de cet exercice si ce n'est pas ça. Je précise également, puisque c'est un reproche qui nous est fait de l'autre côté de la barre, que ce soit de la part des parties civiles ou de la part des coprocureurs, à savoir que nous aurions tendance, du côté de la défense, à mettre en avant la valeur probante des documents plutôt que l'irrecevabilité. Et là, je pense que c'est important d'en revenir au texte, puisque le premier jour, le coprocureur national s'est étendu sur la question textuelle. Je rappelle que la règle 87.3 du règlement intérieur précise, bien sûr, liste un certain nombre d'éléments par rapport à la recevabilité des documents. Mais j'attire votre attention sur un point particulier, en tout cas deux. La règle 87.3a parle des documents qui sont dénués de pertinence. Nous avons effectivement présenté des objections en application de ce texte. Mais il y a aussi un autre point qui est extrêmement important, qui est le 87.3c, dans lequel on parle de documents, d'objections d'irrecevabilité pour des preuves insusceptibles de prouver ce qu'elles. Pour des documents qui sont insusceptibles de prouver ce qu'il entend démontrer, ce qu'il entend établir. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de documents insusceptibles de prouver ce qu'il entend établir, c'est vrai que la frontière est minime avec la valeur probante, mais en tout état de cause, c'est prévu par le règlement intérieur et c'est en application de cet article 87.3c que nous avons fait également un certain nombre d'objections. Et pour nous permettre d'apprécier ces deux éléments, la pertinence et ce que le document est susceptible de prouver et de ce qu'il entend établir, et on est obligé de se référer à la raison pour laquelle les coprocureurs les présentent devant vous. Et la raison pour laquelle
les procureurs les présentent devant vous, a été exposé à la fois, et nous y avons fait référence dans le document introductif à leur liste, E9-31, et également figure dans le cadre de colonnes dans leurs annexes spécifiquement, puisque la manière dont sont présentées ces annexes, vous avez la description du document, vous avez la cote du document, et puis vous avez une dernière colonne où on vous renvoie à la partie pertinente de l'ordonnance de clôture à laquelle se réfère le document. Et il est évident que nous, du côté de la défense, nous avons préparé nos objections en fonction également de ce qui est présenté par les coprocureurs comme étant ce qu'ils entendent établir, puisque c'est ce qui va nous permettre d'apprécier la recevabilité en application de l'article 87.3c. Alors, sur la question de la pertinence, mon confrère l'a rappelé, mes confrères précédents aussi l'ont indiqué, il ne s'agit pas aujourd'hui pour la défense de limiter de notre propre chef le champ du procès, du mini-procès numéro 1. C'est en application d'une décision de votre chambre, l'ordonnance de disjonction E124, mais également qui a été précisée par votre décision rejetant la demande de réexamen des coprocureurs, E124-2. Et vous avez, dans ce dernier document, comme l'a évoqué hier la co-avocat des parties civiles, vous avez précisé le champ précisément des éléments qui seraient à examiner dans le cadre de ce mini-procès, et vous avez indiqué en annexe les paragraphes et les parties qui ferait l'objet de ce procès. Et c'est en application de vos indications que nous avons également formé nos objections par rapport à la pertinence. Et j'ai envie de dire, encore une fois, que vos décisions sont en contradiction aujourd'hui avec la position des coprocureurs tels qu'ils l'ont développée ces derniers jours, mais j'ai envie de dire qu'ils sont également en contradiction avec leur position dans la description de leurs annexes et dans la fameuse colonne dont je parlais tout à l'heure, dans laquelle ils indiquent pour quelle partie de l'ordonnance de clôture ces documents sont pertinents et pourquoi ils entendent présenter ces documents. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, le temps me semble court, mais je peux vous indiquer qu'il y a au moins 317 documents où c'est sûr, en fonction de ce que disent les coprocureurs eux-mêmes, parmi toutes les annexes, qu'ils ne sont absolument pas concernés par le procès, le mini-procès numéro 1. Par les paragraphes retenus dans votre décision E124-2. Et là, je suis obligée de noter, un petit peu comme vient de le faire mon confrère Carnavas, que j'ai assisté à un glissement qui m'apparaît troublant de l'argumentation des coprocureurs. Parce que notamment en ce qui concerne les documents S21, on a eu de longs développements qui, effectivement, s'apparentent à de la plaidoirie sur le fond, mais je passe sur ce point. Mais surtout, qui n'a rien à voir avec ce qui a été annoncé à la fois dans le document E9-31, mais également dans la dernière colonne des annexes sur la raison pour laquelle les coprocureurs entendaient utiliser ces documents. Donc aujourd'hui, on nous a présenté de nouveaux arguments, encore une fois, qui s'apparentent plus à des arguments de fond, et à mon sens, ça n'enlève absolument pas le manque de pertinence que nous avons soulevé du côté de la défense. Par ailleurs, un élément qui est important, qui a été soulevé à la fois par les parties civiles et par les coprocureurs, il y a un argument selon lequel, comme vous avez indiqué que le champ de ce mini-procès pourrait éventuellement être étendu, que dans ces conditions, il était préférable de retenir l'ensemble des documents qui ont été présentés pour l'ensemble du procès. Là, j'ai un vrai problème de méthode. Vous avez indiqué dans votre décision E172, page 4, que pour le moment, vous n'aviez pas l'intention de revenir
Alors, excusez-moi pour les références, E72, page 4, évidemment en français, je suis désolée, je n'ai pas les références dans les autres langues, mais vous, dans ce document dans lequel vous rejetiez la nouvelle demande d'extension des sites de crime des coprocureurs, vous avez bien précisé que, de toute façon, vous informeriez les parties en temps utile d'une éventuelle modification, et dans ces conditions, en temps utile, cela voudra dire aussi que les parties, s'il y avait besoin d'amender les documents à présenter en fonction de ces nouveaux champs, auraient la possibilité de présenter les documents qui seraient utiles à ce nouveau champ. Je profite de cet élément puisque c'est dans votre mémo E172 que vous avez répondu à la requête des coprocureurs. Une petite parenthèse pour... alors c'est vrai que j'interviens en tant qu'avocat de Quesampan, mais également mon expérience a fait quand j'ai travaillé devant d'autres juridictions internationales. Et c'est vrai que la mémoire judiciaire est importante et je trouve dommage que des décisions à des requêtes qui ont été présentées publiquement n'aient pas de réponse particulière, n'aient pas de décision en tant que telle, mais simplement des paragraphes au sein de mes mots. Je trouve que pour les praticiens de la matière, pour les chercheurs et pour le public, il serait beaucoup plus intéressant d'avoir de réelles décisions. C'est une remarque en passant, j'espère que nous aurons l'occasion d'y revenir, mais encore une fois, je pense que la mémoire judiciaire et les archives judiciaires des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens méritent cela. Je vais brièvement passer sur la question des originaux et de la fiabilité des documents obtenus par des SECAM. Vous avez assisté aux déclarations, aux dépositions des témoins Chang-yuk et Vatandara. Je vous renvoie à leur déposition. Je rappellerai simplement une citation par rapport aux archives nationales de M. Vatandara aux transcriptions françaises E1-30.1, pages 84 et 85, dans lesquelles il indique notamment, et là je cite, « Les documents provenant des archives nationales étaient déjà des photocopies quand nous les avons obtenus. » Donc, je pense que la question des originaux et de comment ces documents sont arrivés aux archives nationales reste entière. Et il faut donc se méfier des raccourcis de l'accusation en ce qui concerne la supposée fiabilité absolue des documents qui ont été fournis par des SECAM. Très brièvement, également un autre point à propos des documents relatifs aux actes et comportements de l'accusé. Là, nous renvoyons la Chambre à nos écritures E96-4, dans laquelle nous avions de façon extrêmement détaillée répondu sur toutes les références aux articles 92 bis et 89C des tribunaux pénaux internationaux. Et je m'associe sur ce point, évidemment, au développement que vient d'effectuer mon confrère Carnavar sur ce point. Un autre point qui me paraît aussi important d'être précisé, c'est la question des nouveaux documents. Du côté des coprocureurs, on a soulevé que notre notion de nouveaux documents ne correspondait pas à ce qu'avait indiqué la Chambre. Et pourtant, là, je me réfère à la décision, à votre mémorandum du E172-5, paragraphe 7, dans laquelle vous indiquez bien que les nouveaux documents seraient examinés à une date ultérieure, et il n'a jamais été la position de la défense de Quesampan d'indiquer que nous parlions de nouveaux documents au sens de la règle 87.4 du règlement intérieur, mais simplement au niveau de la règle 80.3D. C'est un élément qui est important et qui, à mon avis, trouve une explication extrêmement claire. Pour preuve, dans notre liste E109-1.1, à partir de la page 21, nous avons fait figurer 34 nouveaux documents qui ont été spécifiquement exclus de la discussion par la Chambre dans son mémo E172-5, paragraphe 3, puisque dans les faits, elle n'a évoqué que 78 documents plus, en écartant 10 documents qui avaient déjà été examinés et en mettant de côté
les 34 nouveaux documents qui avaient été listés par la défense de Khieu Samphan. De la même façon, les parties civiles avaient communiqué une liste de nouveaux documents dans leur document E109-2.3 et ces nouveaux documents ne sont pas concernés par cette audience. Dans ces conditions, je rappelle que l'annexe 21, qui est une compilation, l'annexe 21 des coprocureurs, qui est une compilation de nouveaux documents, fait également partie de ces nouveaux documents. Ce n'est pas moi qui ai intitulé cette annexe ainsi. Elle fait partie de ces nouveaux documents pour lesquels la Chambre a prévu qu'ils seront examinés ultérieurement. Je passe rapidement parce que je vois que le temps est compté. Une brève observation en ce qui concerne l'annexe numéro 15. Monsieur le coprocureur international Abdoulak a... Ah, ok. Excusez-moi, il paraît que je parle trop près du micro. Excusez-moi. L'annexe numéro 15, donc concernant les cartes et photos, à ce propos, le coprocureur international Abdoulak avait indiqué que, avec un argument... quelque peu contestable, que nous n'avons pas objecté à chacun des documents, que nous n'avons cité que quelques exemples et qu'il faudrait comprendre que nous acceptons l'ensemble de ces documents. C'est un argument, encore une fois, qui me paraît déplacé, dans la mesure où, très précisément, l'objet de ces audiences était de discuter annexe par annexe, de façon générale, les objections et qu'il n'était pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que nous passions notre temps à évoquer un par un tous les documents. Je pense que c'est important de faire cette précision, que ça soit clair et que ça soit bien clair que nous avons à chaque fois cité des exemples pour illustrer la question. Très brève remarque également concernant l'annexe 16 et notamment la vidéo dont les références sont D313.9R et ensuite .10R et ensuite .11R. Là encore, mon confrère a évoqué la question brièvement. Je dois dire que j'ai trouvé effectivement l'interpellation de mon client comme un procédé peu élégant. La démonstration de Monsieur le coprocureur international hier m'a semblé quelque peu vaine. Il ne s'agissait pas pour nous, du côté de la défense, de nier que c'était bien Monsieur Khieu Samphan qui apparaissait à l'écran. L'objet de notre objection était de dire, nous ne savons pas dans quelles conditions, et les coprocureurs ne le savaient pas non plus, ils l'ont indiqué eux-mêmes en présentant le document, d'où venait cette vidéo, dans quelles conditions elle a été effectuée, qui interrogeait Monsieur Khieu Samphan, et surtout, malheureusement, puisque ce document n'est qu'en Khmer et ça fait partie d'une des objections, je ne suis pas en mesure de savoir exactement la teneur de cet entretien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu un montage, il y a eu un découpage, et dans ces conditions, notre objection tient absolument. Il ne s'agit, n'a jamais été question de dire que ce n'était pas Monsieur Khieu Samphan qui figurait sur cette vidéo. Un point aussi de précision en ce qui concerne l'annexe 17. Monsieur le coprocureur international De Wild a soulevé une apparente contradiction en disant que nous nous objections à certaines communications internationales en réponse sur les archives françaises. Et nous a quelque peu interpellé en disant que sur notre propre liste de documents, nous avions nous-mêmes listé des documents des archives françaises du ministère des Affaires étrangères. Je tiens à rappeler, et ça c'est un élément important qui vient d'être soulevé par mon confrère Carnavaz, que nous avions à ce moment-là proposé notre liste de documents qui venait en rapport avec des témoins que nous souhaitions voir entendu par la Chambre. Et là, je rappelle, je renvoie à nos documents, notre liste de documents E9-29.2 et E109-1.1 et notamment les déclarations également annoncées du témoin TCW 56 dans le document E9-11.2
dans lequel nous indiquions que ces témoins évoquera, je cite, les archives du ministère des Affaires étrangères française disponibles depuis 1975. Donc là encore, l'idée c'était pour la défense de Kyocampan à chaque fois de présenter des documents en perspective avec le témoignage d'une personne que nous souhaitons voir entendue par la Chambre. C'est une démarche qui est différente. Alors, c'est vrai que le type d'exercice auquel nous nous livrons, nous présentons des documents avant même que des témoignages interviennent. Je pense, comme mon confrère Carnavaz est certainement dû à une expérience devant d'autres juridictions, que c'est quand même plus intéressant pour vous, encore une fois, dans le rôle que nous donnons au niveau de cette audience, à savoir défendre nos clients, certes, mais vous donner les éléments de les juger correctement et en fonction de ce devoir que nous avons, encore une fois, je le rappelle, je vous l'ai indiqué lorsque je suis intervenu pour présenter les objections, l'idée, c'est de ne pas vous faire partir dans le délibéré avec une tonne de pièces dans laquelle vous devrez faire le tri et de vous donner des éléments à chaque fois qui vous permettent de mettre ces documents en perspective en application de votre devoir de juger les accusés devant vous. J'en aurai terminé et je vous remercie du temps je pense supplémentaire que vous m'avez accordé. The President, thank you, Council. I think it is now appropriate time for adjournment. Juste pour les besoins du procès-verbal, il paraît que j'ai fait une erreur au niveau du témoin pour le ministère des Affaires étrangères français. C'est le témoin TCW 156. Pour les besoins du transcript. I'm saying this for the purposes of the transcript so that it's accurate. TCW 156. Thank you very much, sir. Je vous remercie, maître. Appropriate time for the adjournment. We will adjourn for 20 minutes. Moment opportun pour la pause, 20 minutes donc. Council for inquiry. You may proceed. Maître Angoudam, vous avez la parole. Council Angoudam. Thank you, Mr. President. Your Honour. Madame, Messieurs les juges. Due to health concern, the President, Counsels for Kyocampan, could you please la défense stop de Kyocampan, veuillez, s'il vous plaît, chatting while another counsel is on his feet, because we hear the background nous pouvons noise l'entendre into the mic. Dans le micro. Your Honours, permettez-moi de répéter. My client has experienced lumbago and he also complained of his the pain in his leg. Lumbago for that reasons, he asked that he be excused de bien vouloir quitter le prétoire et suivre l'audience depuis la cellule de détention du tribunal. The President, le Président, we have noted the request by Yang Sari through his counsel that he be excused from this courtroom and that he asked to be allowed to observe the proceedings from his holding cell temporaire du tribunal due to his health concern et ce pour des motifs de santé. Il ne peut demeurer assis trop longtemps. The chamber therefore grants la chambre such fait droit request, à cette the request demande, that has been made through his demande présentée par le truchement de son conseil. Yang Sari is now allowed to observe the proceeding from the holding cell. Counsels are now instructed to bring forward peut donc suivre l'audience depuis la cellule temporaire du tribunal. Son équipe de défense doit remettre au greffier le document par lequel il renonce à son droit de participer directement à l'audience, document signé ou figuré. La section de l'audiovisuel, veuillez s'il vous plaît vous assurer que la vidéoconférence fonctionne bien. Le personnel de sécurité, veuillez descendre les accusés. La pause. L'audience est levée.